slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite info, donc c'est pas un glitch mais une info en ce qui concerne les masques qui ont disparu. Donc vous avez été très nombreux à me poser cette question dans l'espace commentaire ou même sur Twitter ou même Facebook. Je vois que cette question est beaucoup posée, vous vous demandez où sont passés les masques de loup parce que vous êtes des fanas de loup. Tout comme moi, je vais répondre à cette question avant de commencer cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo et que je ne le dis pas tout simplement sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que là vous êtes vraiment une grande majorité à demander pourquoi et à savoir pourquoi les masques ont disparu. Il y aurait une minorité, j'aurais tout simplement commenté et dit pourquoi sur les réseaux sociaux. Mais là vous êtes vraiment une grande majorité à me demander pourquoi. Pour toutes les personnes qui seraient déjà... pourquoi ils ont été supprimés, bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais moi, je préfère expliquer à la communauté pourquoi ils ont disparu. Parce que vous vous posez vraiment cette question-là et vous n'avez pas forcément de réponse. Donc là, je vais me diriger vers les masques. Donc vous pouvez déjà apercevoir mon tout nouveau personnage de mon compte secondaire. Toi, tu veux te battre. Mais qu'est-ce, c'est quoi ton problème, toi? C'est quoi ton problème? Tiens, maintenant je l'ai tué, donc je me dirige vers les masques et là vous allez pouvoir voir que les masques de loups n'y sont pas, même les masques d'animaux, les masques d'ours, etc. Ils n'y sont pas. Donc là vous voyez bien qu'il n'y a absolument rien. Je vais faire toute la liste, comme ça vous serez vraiment sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien et j'ai envie de vous dire que c'est comme la Sovereign et le Libérator, c'est-à-dire que quand Rockstar a supprimé l'événement fête de l'indépendance, bah, ils ont tout simplement supprimé les masques de loup en même temps, sauf que le Libérator et la Sovereign, ils les ont supprimés à la fin de l'événement, alors que pour tout ce qui est des masques, etc., ils les ont supprimés un peu plus tard, donc c'est pour ça que vous ne les avez plus, et c'est pour ça que vous posez cette question. Mais ne vous inquiétez pas, si vous allez dans votre inventaire accessoires masques et que vous avez déjà acheté le masque de loup, c'est comme le Libérator ou la Sovereign, vous les aurez toujours. Il n'y a aucun souci, vous pourrez toujours les porter. En tout cas, ce que je vous conseille de faire quand il y aura des futurs événements, je pense qu'il y en aura un pour Halloween, j'en suis sûr, même à 98%, parce que Rockstar, je pense qu'ils vont nous faire un petit truc. Après, ce n'est que des suppositions, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose. Quand il y aura cet événement-là, je vous conseille d'acheter tout ce qui est vêtements, voitures, etc. Comme ça, au moins, vous êtes OP et vous êtes sûr de toujours les avoir jusqu'à ce que vous ne vouliez plus jouer à GTA 5, mais dans tous les cas, vous les aurez toujours. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. En tout cas, il y a plein de masques qui ont été supprimés. Il n'y a pas que le masque de loup, mais je parle principalement du masque de loup parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question du loup. Comment t'as fait pour avoir le masque? Comment t'as fait? Bah, là, vous avez la réponse. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle est peut-être courte, mais au moins, je vous ai indiqué, je vous ai informé. Si vous avez d'autres questions de ce genre en ce qui concerne GTA 5, des mises à jour ou des trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas à me les demander dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Ne me demandez pas quand est-ce qu'aura lieu la prochaine mise à jour, je ne sais pas du tout, je ne suis pas Rockstar. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.